Bonjour. Bonjour, je suis triolé. Voilà. Donc, est-ce que vous pensez que c'est intéressant d'avoir un spectacle pour enfants au sein d'un festival ? Ben oui, c'est pas moi qui vais vous le dire le contraire. Je pense que c'est intéressant parce que vous avez vu, il y en avait plein des enfants. C'est une découverte pour eux des instruments, de la musique, un peu du théâtre avec notre spectacle. Et souvent, ils n'ont pas l'occasion d'approcher de près des vrais concerts encore à cet âge-là. Donc c'est vraiment une bonne occasion pédagogique de les mettre dans le bain. Comme ça, après, ils reviendront plus tard voir les artistes le soir du Festival de la chanson française. Sa guitare et son harmonica avec lesquels il me réconfortait les soirs tristes, eh bien ils avaient disparu eux aussi, figurez-vous. Hein. Mais moi j'ai aimé quand il y avait la mémé qui disait où ils sont, je les ai pas vus. J'aimais bien quand ils ont joué de la guitare. J'ai aimé quand il y avait la fille chatte qui dansait. J'ai bien aimé. T'as bien aimé. Et toi ? Moi aussi, j'ai très bien aimé. C'était très bien fait. Et j'ai bien aimé parce que c'était beau. J'ai bien aimé quand ils ont fait le tirage au sort. J'ai aimé quand ils faisaient de la guitare aussi. J'ai aimé quand les deux chats, ils pleuraient. Il va nous la lancer, donc quoi ? C'est jeté ! Le spectacle était super pour les enfants et que ben, ça leur a plu apparemment, surtout aux pitchous, les grands je pense un peu moins. Et ben, moi ça m'a plu parce que ça m'a fait rire que Johnny ben, refasse Johnny Hallyday, donc c'était marrant. Alors vraiment très intéressant, c'est super, l'envers du décor, les chats et tout, waouh, choubidoubidou, voilà.